De Paris le 3 mai 2024. Elle a porté ce soir une robe du créateur Marcos Garra pour sa maison éponyme qui rend hommage aux 25 ans de carrière du pâtissier chocolatier, meilleur ouvrier de France, Arnaud Larère, surnommé par sa chef chocolatière, Clara Héroutine. Figure emblématique également de Danse avec les stars, place au charismatique Christian Millette, qui est également chorégraphe. De France 2, Simone Coleman. Elle a défilé ce soir dans une robe imaginée par le couturier lyonnais Nicolas Fafiot et l'agitateur de papilles, président de Relais Desserts, Vincent Garlet, dont les célèbres petits beurres fêtent cette année leurs 15 ans. Bravo pour cette sublime. C'est l'heure maintenant de retrouver la chanteuse et coach vocale Adeline Tognutti, qui aura passé une partie de son année sur les planches avec son spectacle Hey Man. Samedi prochain, elle sera de nouveau la professeure de chant de la nouvelle saison de la Star Academy sur TF1. Et elle a défilé ce soir dans une robe confectionnée par le créateur Nathan Bruchstein pour Ripaille et le meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie, Pascal Bruchstein pour Okao, accompagné sur scène par Tom Bruchstein sur les traîtres. Sa robe très à la page, avec une incroyable envolée de papillons qui vous a ébloui tout à l'heure, a été imaginée par Marine Kless, créatrice de vêtements d'exception, et Stéphane Blassier, meilleur ouvrier de France, pâtissier, président de Tradition Gourmande et fondateur du magazine Passionnément Artisan, accompagné d'Alexandra Garachi, finaliste au concours des meilleurs ouvriers de France 2023. You move so carefully, let's start living dangerous. Ça y est, la voici, vous pouvez l'applaudir bien fort. Robin, dans une robe imaginée par la chocolaterie Alex Audi. Bravo! Voilà, je voudrais remercier les organisateurs. Les chocolats du cœur représentés ce soir par sa directrice déléguée Catherine Rouvion et à leur côté Orso Chetoshin, directeur. Pour leur fidélité, parce que aider des gens dans le temps, c'est ça qui est fantastique. Chaque année, vous nous mettez en avant, vous nous aidez à sauver des enfants. Merci à vous tous qui avez participé à nous permettre de sauver Romine. Et puis merci à Laurent qui est un ambassadeur. Le mécénat chirurgie cardiaque, à qui je vais laisser la parole. Merci, merci. C'est une soirée extraordinaire pour cet enfant. Il y a 2 mois, elle avait une malformation cardiaque. Et regardez ce soir, son sourire, c'est mieux que tous les discours. Bravo ! Extraordinaire, on a quand même beaucoup de chance. Hein. Voilà, donc un grand merci et merci à toutes les célébrités qui ont défilé au profit de l'association. Je crois que ça donne vraiment un sens incroyable. Le merci. Sourire de Romine est pour vous. Merci, Etienne, pour ces mots.
Merci Rémi d'avoir participé à ce très beau défilé. Bravo à toi, tu as été exceptionnel tout à l'heure sur scène. On te retrouve tout à l'heure pour la photo finale. Maintenant, ils vont nous rejoindre sur scène. Je vous en prie, venez. C'est grâce à eux aussi. Vraiment un grand merci à tous nos partenaires. Donc ici, SLA, Paris, Coiff & Co, l'hôtel Trocadéro, la Tour, Champagne, Grimillé, Mur de l'Aide, l'école Ferrandi et Val Charlot. Merci à toutes les équipes derrière qui ont œuvré sans relâche pour vous accorder ce défilé d'exception. Et je pense à notre booker Lionel, au chorégraphe Annabelle, à notre topper Yann, toute la régie et bien sûr toute l'équipe du Salon du Chocolat. Applaudissez-les bien fort.